Après, le but, c'est quand même pas que je souffre à mort. Ouais, t'as les mêmes goûts que moi, mamie, t'as vu? J'ai toujours dit que t'étais une fille bien. Il me faut 2, 3 âmes. 4 même. Attends. C'est un 5, 10, 15, 20. 3 âmes. C'est avec plaisir que je te dis ça. D'un autre côté, tous ceux qui viennent sur le baquet, là, ils sont des gens bien. Il y a des gens plus bien que les autres. Ceux qui aiment Baka et ceux qui aiment la même chose que Baka. Je te propose un Virlang. Alors là, va falloir que tu m'expliques, mon ami, parce que je connais pas. Sachant qu'on a un nombre d'ingrédients assez limité chez moi, là, tout de suite. Enfin, faut que ça soit un truc que je puisse faire, quoi. Un tapissier qui tapissait chez un tapissier qui tapissait demanda à un tapissier qui tapissait, vaut-il mieux tapisser chez un tapissier qui tapissait ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? On fait un concours et vous avez gagné Baka. Non mais vous voulez gagner Baka comment les amis? Non, par contre, il faut qu'on fasse un concours pour savoir le nom du prochain personnage dans Dark Souls 3. Dans Dark Souls 3, on recommencera une partie à zéro, du coup, on aura un nouveau personnage. Du coup, il nous faudra un nouveau nom pour aller avec. Ah, mais c'était ça, votre gage? Bon, bah, le citron aurait été quand même plus horrible, hein. Non, mais on pourrait le faire appeler Bastien. On peut l'appeler Mia aussi. Sachant que quand on a fait le Zelda pendant les 24 heures du live, on l'a appelé Alan, et Alan était le nom d'un viewer. Sans mort. Ah mais si on l'appelle Mia, on prendra une fille. Si on l'appelle Bastien, on prendra un mec. Du coup, il faut qu'on fasse un concours. Vous devez deviner combien j'ai de frères et sœurs. Attention, la question est piégée. Je pourrais avoir l'honneur de... Ouais, si tu gagnes. Dur, hein, dur. Hein. Non, c'est pas une vraie question, ça. Vous pouvez pas répondre, normalement. Que même si vous avez vu une de mes sœurs de temps en temps sur le live,
Vous pouvez pas connaître toute ma famille, c'est pas possible. Y a que Kazuo qui pourrait répondre. Et encore, ce con serait capable de se tromper. Quoi. Tu as jamais vu Millie sur mes lives? Je vais lui dire qu'elle passe jamais. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle n'est pas passée. Tu l'as peut-être croisée sur le live de Planus par contre, parce qu'elle adore Final Fantasy. Ou sur le live de Kazuo. Parce qu'elle adore Kazuo. Non mais Red Force c'est même plus une réponse à question et une question multiple. Hein. Ah oui forcément. Non tout à l'heure elle était pas là. Vous avez en effet tous perdu. Du coup, mon personnage s'appellera Zezette. Le fauchon enchanté. C'est comme le manège enchanté, mais en mieux. Sinon, c'est quoi la bonne réponse? Nous sommes une fratrie de 4. Et du coup, j'ai 3 frères et sœurs. Non, t'as dit 4, mais j'ai que 3 frères et sœurs. La question, c'est combien j'ai de frères et sœurs? Non, mais toi, Red Force, t'as mis 0, 1, 2, 3, 4. C'est vrai. Du coup, Bastien, je te laisserai choisir. Je te laisserai choisir le nom de notre personnage dans Dark Souls 3. J'espère que cet honneur te fait plaisir. Moi je suis gentil, je dis honneur aux dames. Cela t'honore. Tout le monde va se rebalancer la balle. Bon bah appelle-le Miyachan. Ok. Du coup, notre personnage dans Dark Souls 3 s'appellera Miyachan. Faut qu'on fasse Bloodborne avant, mais... Faut qu'on finisse Dark Souls.
D'ailleurs, Red Force, je tiens à dire que regarde comment s'appelle notre perso. Hein. Non mais Kazuo, il te répondra jamais sur les questions trop personnelles. Je sais pas si t'as vu le nom du personnage, mais voilà quoi. Bon, par contre, c'est une fille, hein, je suis désolé. Hein. Il me fallait une rousse. C'est mon Redou. Oh, la patate de forain! Oh, la mêlée de forain! Bon bah merci quand Bon bah si c'est une fille finalement, voilà quoi. Putain, c'est dur de les tuer. Peut-être ma masse qui va pas. Essayez avec la sombre. Non, ça marche pas mieux. Essayer avec celle de feu. Non, je pense que patate de forain, c'est mieux. Hein. Pas dire que c'est moins fort, c'est moins badass. Regarde comment elle déchire depuis le début de la game, quoi. Bon, elle est morte 100 fois, mais ça, c'est pas trop à faute de son nom. Tu la feras rousse aussi? Miya-chan? Je sais pas, je te vois plus brune en fait. Te vois plus brune. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu me l'as dit aussi. Non, on a 101 morts, hein, Mia. Ah bah bravo, IRL, je suis brune. Je sais, toutes les filles bien sont brunes, de toute façon. Miya-chan qui a déjà arrêté de compter. Crois que c'est lui l'accès au DLC. Hein. Je crois pas me tromper. Hein. Non, c'est pas lui. Il est pas censé être jaune comme lui, non?
Il faut le tuer combien de fois pour que ça arrive? Non, parce que j'en ai tué déjà 3 ou 4 fois, le mec, il m'a rien donné. Ah oui, c'est Katarina, Katarina, tchik tchik! Ouais, j'ai le DLC, ouais. But I could hardly move. I must think of some way to repay you. Je te dirais bien on couche ensemble, mais t'es une fille. Hein. You wouldn't miss him. My goodness. Well then, now if you just stay put and keep out of trouble. Non, je l'ai pas encore eu le pendentif. Enfin, je crois pas. C'est dans les objets clés de toute façon. Non, je l'ai pas eu. Qu'est-ce qu'il y a, mon Redou? C'est à l'ascenseur après. Oui, c'est celui qui regarde la map monde. Je l'ai tué 2-3 fois, ouais. Je t'adore. Ah oui, il y a un autre golem doré après, d'accord, oui. Je me disais qu'il y avait un golem doré à un moment. Et Spectre 35 vient de nous expliquer comment l'avoir. En tout cas, je te remercie, mon ami Spectre. Ça fait plaisir. Mes souvenirs défaillants n'étaient plus si défaillants. Oh la patate. Et t'as le deuxième qui arrive. Hey, j'aurais plus de cœur parce que Mia a dit qu'il fallait pas m'envoyer de cœur. Non mais oh. Déconne plein poche, chat. Et moi j'ai pas le DLC. Ah. Bah, en fait moi j'ai acheté l'édition Game of the Year en fait. Du coup il y avait le DLC avec. Moi c'est sur 360. Bah, je l'ai sur PS3, hein. Je joue sur PS3 là. Hein. Regarde. Tu vois le menu de la console? Surtout dans le DLC. Ah oui, bah Artorias et Manus. Manis, je m'en rappelle plus. C'est quand même deux gros bourrins quoi.
Ah, c'est vrai? Ils ont jamais fait l'édition Game of the Year pour l'Xbox? C'est dommage. Je sais même pas pourquoi je tue ces trucs en fait, vu que ça sert à rien. Peut-être le plaisir malsain de pas descendre dans la fosse. Il y a aussi la double manticore pour les courageux. La double manticore. La double manticore, c'est pas dans Dark Souls 2? Ah non, c'est vrai que tu commences le DLC avec une manticore et quand tu arrives à la fin, il y a la double, c'est ça? Je me trompe pas, je crois. De toute façon, le DLC, c'est une horreur en soi. Allez, on va aller essayer d'aller jusqu'à ce dragon. On va essayer d'aller jusqu'à ce dragon. Attendez. Ou alors on monte celui de la d'Isalith. On va la donner à la fille d'Isalith en fait. Enfin, je me rappelle qu'on l'avait vu quand je voulais sortir du DLC, qu'on m'a dit attends, il reste un boss. Tu viens de vaincre un dragon qui te faisait chier et qui te donne un loot tout pourri. À part pour ceux qui veulent galérer comme des. Voilà. Et du coup, après être sorti de ça, on te dit ah, mais tiens, il en reste un. La souffrance, la tristesse, tout ça, tout ça. J'espère que ça tiendra un peu.
Alors, après, il faut descendre dans le gouffre. La décharge, tu l'as vaincu à la loyale ou avec le glitch? À la loyale. On m'a dit qu'il y avait un glitch, mais je t'avoue que je ne le connais pas. Tu peux le voir sur la vidéo de cet après-midi d'ailleurs, si tu veux vraiment le voir. On s'est pris quelques patates, mais on l'a défoncé au niveau de son bras à plusieurs reprises. C'est quand déjà qu'il y a le pont invisible? Je sais pas, là où c'est invisible et qu'il y a des écritures, Bekael? Ah ouais. J'ai sauté dans le trou! Ah bravo. Bah, il n'y a pas vraiment de difficulté à le vaincre. Je sais qu'on m'a expliqué que tu pouvais le faire tomber ou je sais pas quoi, qu'il pouvait mourir en un coup. Le pire boss, la gravité. Dans le Bekael Live, on aime les trous. Dès que je peux tomber dans un trou, de toute façon, je tombe. Donc. La première fois que j'ai fait ce jeu et qu'on a pris le point invisible, si je me rappelle bien, je suis tellement pas allé droit que j'ai fini par tomber. T'as raté un trou, Mia, ouais. Une belle chute. Un saut prodigieux. Un 5 sur 5 pour les juges. Un 5 sur 5 pour Bekael. Oh putain. Dix-huit sur dix sur le plomb, tu vois? Carrément un 18 sur 10, quoi. Et c'est pas n'importe qui, hein, c'est Bastien qui le dit. Hein. Bastien qui est juge dans tous les tournois de saut dans les trous du Bekael Live. Un emploi fictif, vraiment fictif. Hein. Et bénévole. Ah ouais. Tu peux aller sur une des faces, mais pas sur l'autre, quoi. Ne pas s'énerver, restez calme, restez zen, tout ira bien. Putain, ça fait presque 2 heures qu'on live et j'ai pas tué un seul boss. Les mecs, ils finissent le jeu plus vite que moi, je finis la bibliothèque. Il était moins beau, hein, ouais. J'ai trouvé aussi que ça faiblissait un peu. J'ai un petit peu trop laissé le jeu faire l'attraction et j'ai pas fait d'effort dans le saut. Je sens que vous allez bien vous entendre, Bastien et Spectre, je sais pas pourquoi.
L'important, c'est le voyage, pas la destination. J'ai jamais dit le contraire. D'ailleurs, c'est quelque chose que je répète assez souvent aux gens. Que j'ai lu dans je sais plus quel manga, mais... Baka sans cœur, c'est pas Baka. Cet amour que j'ai pour vous. En fait, j'ai même pas à faire chier. Mais ah, putain! Sur 20 sur 10 pour le moonwalk. C'est original. C'est vrai, mais c'était pas vraiment voulu, c'était pas un geste contrôlé du streamer. Ça manquait un peu de grâce. Et puis il aurait fallu faire le youhou de Michael Jackson avec la main entre les jambes. Et l'autre derrière le chapeau. Ce qui est bien, c'est que tout le début, on le maîtrise bien. Franchement, ça va. J'ai l'impression que je me trompe, en fait. Oh putain! Même pas capable d'aller tout droit, quoi. Attendez, je vais allumer la lumière. J'attends le saut de 75 mètres avec le plat au final. Je m'en fous de comment tu sautes. Du moment que ça fait splouche. L'amour de Baka est pour tout le monde. Partez du principe que je peux aimer les gens déjà. Dors pas maintenant, Concha. Tout à l'heure, tu vas venir me réveiller pendant que je voudrais dormir. Envie de lui jeter un truc dessus, mais j'ai rien qui puisse ne pas lui faire de mal en fait. Du coup, je peux pas. Je les imagine trop en train d'attendre, c'est tranquillement. Bon, il va venir, vous croyez ou pas? Il va venir? Attendez! Ah! Bah non, il vient pas. Il vient de s'écraser.
Pourquoi j'ai l'impression que je devrais pas sauter sur celui-là? Bon bah du coup j'ai aucune idée d'où je dois aller. Parce que c'est un piège. Ah oui, forcément. Sur 10 sur la roulade, magnifique. Merci Bastien. C'est des efforts hein, de faire toutes ces roulades. Ne sous-estime pas l'amour de Paca. Erreur. Comment va mon vampire préféré? Oh, on vient de mourir au moins 6 ou 7 fois d'affilée pour rien, quoi. Alucard, sauve-moi, viens faire pour moi le truc, s'il te plaît. Toi, t'es doué avec tes mains. J'ai repris Skyrim à 0. Parce que t'avais un bug, t'as repris Skyrim à 0. Totalement dingue. En plus, tu vas faire comment pour tes lives? T'avais déjà commencé la série depuis un moment. Elles disent toutes ça. De quoi que t'es dingue? Tant pis, j'assume. Pas de soucis. Mais c'est aussi pour tes viewers, quoi. Tu leur as montré un début de partie et du coup tu le finiras jamais. Je crois que je viens de me rappeler d'un truc. C'est pas genre il faut monter sur le cristal. Non, pas du tout. J'avais rien foutu à part farmer les cris du dragon. C'est déjà pas mal de farmer les cris de dragon à Lucarne. Puis t'avais un RP, t'avais commencé ton orc en disant que tu faisais un RP orc. Je crache pas dessus, Spectre, je te l'avoue. Aller dans le fond.
Ah d'accord, en fait il fallait continuer sur la route en fait, ce que vous êtes en train de me dire. Fallait pas que je me laisse tomber sur le chemin. Je suis bien resté en face là, non? Tu es parti vers la gauche. Du coup, il faudrait que je prenne un point de repère et que je le fixe, c'est ça? Vers la droite, pardon. Mais ma droite ou votre droite? Oui, je sais, ce sont les deux mêmes droites, mais... Là, je RP orc en slip. Alors déjà, orc, ça s'écrit pas QUE à Alucard, ça s'écrit ORC. Le QUE, c'est la créature qui vit dans la mer. Et en slip, tu vas galérer un peu, hein, surtout au début, quoi. Autant quand t'as du level, t'amuser à jouer en slip, pourquoi pas, mais... J'y suis! Il aura fallu 25 essais au Bacchae Live pour arriver à destination, mais on y est. Et GG et Spectre pour ton level 3. J'ai un casque et des bottes. Ah, mais tu fais pas un vrai RP slip, c'est juste que t'as pas encore l'équipement. Pas un secret, genre il faut casser une colonne ou une connerie comme ça pour le tuer. Si, il faut casser ça pour le tuer. Juste derrière toi au début. Oh putain!
Oh putain. Je pense qu'il craint pas le divin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le divin lui fait pas grand dégât. C'est quoi la faiblesse de Sif, l'ombre? L'eau? Le feu gère. On a une masse de feu 5. Bon, allez, on va essayer le feu, de toute façon, on n'est pas à ça près. De toute façon, j'ai pas fait d'arme électrique et j'ai qu'une arme d'ombre à part l'arme de la lumière. Donc. Non, je ne suis pas une personne, je suis un streamer. En tant que streamer, il est de mon devoir de vous annoncer que je ne suis pas un être humain en fait. Je suis une machine. J'ai été envoyé dans le futur, dans le passé, dans le, enfin, dans votre temps à vous, pour sauver le monde. Mais bon, je m'amusais largement plus à jouer à des jeux vidéo, donc j'ai arrêté. Mince, le premier T80 streamer. Ah, c'est sûr que j'ai pas les abdos de Chorzy, mais il fallait quelqu'un qui puisse passer inaperçu dans la foule. Du coup, ils m'ont choisi. Moi, le streamer de l'impossible. Le mec capable de dire de la merde par pack de sang. Comment je fais pour aller casser le truc derrière lui maintenant? C'est quand même vachement plus compliqué.
pas se laisser embêter par un poulpe de l'espace quand même. Les amis. Qu'est-ce qu'il nous fait tout à l'heure là? T'es pas censé faire des lasers de cristal, toi? Ah d'accord, viser son ventre, ça fait plus de dégâts. Par contre, viser son ventre, c'est se mettre... Les vaisseaux et son cul, ça marche ou pas? Non, viser son cul, c'est allumer les queues, là. Il a pas l'air d'aimer ça. Du moins, me prendre des coups de queue, c'est pas mon truc. Pas un peu de la triche ça? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu 15 secondes où je voyais plus rien. Allez, crève, saleté! Bah, quel live! On peut monter deux niveaux. On peut monter qu'un niveau. Cet homme est incroyable. Il a réussi à battre un boss. Praise the sun, les amis. Praise the sun. Et bonsoir à toi, Henri Tong. Je crois que j'ai loupé ton arrivée, non? Je vois que les deux autres continuent à se disputer pour savoir qui a droit de faire des bisous. Je vais les kicker tous les deux pour les mettre d'accord. Go faire ta page Wikipédia. Mais vous savez que j'ai un copain qui m'a dit maintenant que tu streams, tu devrais te faire une page Wikipédia. Et je lui ai dit oui, mais bien sûr, j'ai que ça à faire. Ils sont durs. Oh.
Ouais, je sais comment m'en prendre à des enfants pour calmer les situations périlleuses. Oh, toutes ces âmes récupérées, il y avait zéro. Du coup, on a dit qu'on allait aller au DLC. Et du coup, pour aller au DLC, il faut d'abord qu'on aille à... le plus rapide pour aller au DLC, ça serait de passer par le sanctuaire de Lichfeu, d'aller dans la tour. Non, c'est pas du tout par là que j'aurais dû aller. Ça serait certainement aller plus vite, même en descendant par la pente des chevaliers noirs. Ah, on est d'accord, hein, ça serait plus rapide par la bastion. Le monsieur te disait que si tu continues à te disputer pour savoir qui a droit à le plus de bisous, il allait vous kicker tous les deux. Pour le plaisir de vous faire arrêter cette discussion ridicule. Pas vous kickban, ce sera un petit Théo, un petit 5 minutes pour vous calmer. Faudra qu'on aille voir le forgeron mort-vivant à l'occasion et le forgeron magicien aussi. Ouais, c'est Praise the Sun, hein. J'ai un t-shirt pour ça, si vous voulez. Enfin, il est en train de...